Christophe, bonjour Émilie, merci de nous recevoir aujourd'hui donc, sur votre exploitation à Auzel, dans le Puy-de-Dôme. On peut commencer déjà, peut-être présentez-vous chacun mutuellement. Je m'appelle Christophe Fayol, j'ai 30 ans, j'ai fait des études agricoles pour m'installer. J'ai fait un peu de bâtiment pour mettre plusieurs cordes à mon arc. Et je me suis installé en 2014 et on a créé notre GAEC ensemble au 1er janvier 2020. Moi, c'est Émilie Dunaroquin, j'ai 27 ans. Je suis pas du milieu agricole, je suis de la région parisienne à la base. J'ai fait mes études dans le milieu agricole, j'ai fait un bac pro et après une première année de BTS production végétale. Après, j'ai fait plusieurs petits boulots et j'ai fini par m'installer du coup en GAEC avec Christophe au 1er janvier 2020. Actuellement, on arrive presque à 110 hectares de SAU, ayant attaqué l'année dernière à peu près 1,5 hectare de céréales pour l'instant, dans un but d'augmenter petit à petit, car avec ces années de sécheresse aussi, on allait chercher plutôt l'autonomie fourragère, l'équivalent d'une soixantaine de mères à l'étante. D'accord. Plus deux poulaillers hors sol en label rouge là, pour les volailles fermières d'Auvergne. Et là-dessus, on produit poulet, pintade. Du coup, au niveau de l'organisation du travail, on se partage les tâches. Moi, je suis plus sur la partie relations avec les animaux, bien-être animal. Et Christophe, lui, est plus sur la partie mécanisation, bien que... L'été, au niveau, quand il y a les fenaisons, je donne quand même un petit peu la main. Au niveau de l'avenir, on souhaite rester plutôt sur une ferme qui est à taille humaine, parce qu'on a quand même deux enfants et on veut aussi pouvoir avoir une vie de famille. Augmenter peut-être légèrement plus pour au moins agrandir un peu la partie céréales. Justement pour pouvoir faire des systèmes de rotation avec un peu plus de prairies temporaires. On veut le faire évoluer déjà point de vue flore, garder toute cette flore à l'état naturel, car pour nous, si on a la flore à l'état naturel et qu'on la conserve, pour nous déjà c'est un gain d'argent. Parce qu'on n'a pas ramené certaines flores via des semis ou autre chose. Ou de manière artificielle. Voilà, de manière artificielle, de devoir à trop mécaniser tout. Donc, et puis bon, on l'a d'office dans nos sols. Donc c'est pour ça qu'on cherchait à faire, à nourrir et à développer justement là-dessus, quoi. Par ce biais-là, qu'on s'est rencontrés aussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené, du coup, qu'est-ce qui vous a convaincu de travailler avec des solutions comme Bio3G? Déjà, avec les aléas climatiques, des années de sécheresse consécutives, nous, ce qui nous a vraiment plu au départ, c'était justement le noyau de chez Bio3G, avec une capacité de rétention d'eau et tout ce qui s'ensuit. Donc, développement racinaire aussi. Ça, on l'a vu, ça a vraiment épaissi on a vraiment vu une différence. Augmenter la densité, ouais. D'accord. Et sur la flore, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure? Sur la flore, tout dépend. Avec l'active qu'on a utilisé de chez vous de départ, ouais. On a eu ce développement racinaire, ça a été flagrant, un détassage des sols. Qui a vraiment eu un effet immédiat dès la première année. La conservation justement de tout ce qui était en point de vue légumineuse à l'état naturel. D'autres sortes qui ont apparu aussi. Ouais. Comme quoi par exemple Le lotier a apparu. Oh. La veste, beaucoup de veste. Ouais. Et l'importance pour vous de cette flore-là, après derrière, finalement, ça en découle. Un fourrage plus qualiteux à pétain. Plus appétant, oui. D'accord. Plus bourratif aussi. Ah, ça finit mieux les bêtes, quoi. Oui, et puis elles en consomment moins, mais ouais. Elles sont tout autant en état.
on gagne en quantité de fourrage qu'on distribue sur 15 jours, on gagne 7 bottes de... 7 bottes ? 7 bottes, ouais, à peu près. Donc... Du coup, on est parti sur la gamme Asséchamps pour du coup, nous permettre de valoriser au mieux nos fumiers en augmentant les taux d'azote, de phosphore et de potasse. Mais aussi, sur cette gamme, on a voulu l'essayer par rapport au confort des animaux. Du coup, au niveau de l'asséchant, on n'a pas de jus qui coule sur les fumiers tant au curage avant curage, et du coup les animaux s'y retrouvent et c'est plus confortable pour eux d'être sur une litière sèche. Pour le confort. Surtout dans des bâtiments pas dernier cri, mais bon, on veut pas changer les bâtiments maintenant justement par rapport à ça. Après, on voulait trouver une solution justement adaptée à nos bâtiments. D'accord. Voilà. Par rapport à l'asséchant. On a fait des résultats, enfin on a fait des analyses ensemble, oui. Du coup, sur la première année, ils sont avérés qu'on avait vraiment augmenté considérablement, de toute façon tout ce qui est valeur, azote un petit peu moins, mais surtout la potasse et le phosphore qui ont vraiment monté en flèche. Et du coup, ça nous permet aussi de diminuer les quantités de fumier qu'on apporte à l'hectare, parce que vu qu'ils sont plus, les valeurs sont plus élevées, et ça nous permet de diminuer en face les quantités qu'on apporte et donc de couvrir une plus grande surface aussi en apport de fumier. Et donc aujourd'hui, ça remplit ces objectifs-là, à la fois sur l'aspect asséchant, assainissant, et valorisateur de vos matières organiques de l'exploitation, quoi. Maintenant, oui. D'accord. Avec toute une gamme complète de A à Z, déjà, enfin, point de vue des analyses qu'on a fait ensemble, on a bien vu qu'on n'était plus classé comme engrais, mais comme amendement. Oui. Voilà. Donc. Pour finir. Demain, comment vous voyez la continuité de la relation avec Bio3G? Rien changé. Pareil. Continuez pareil. À l'identique, pareil. Très bien, mais merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.